Jésus a eu l'expérience de l'obéissance et ça lui a causé de la souffrance. Mais cette expérience était ce qui l'a adéquatement équipé pour être notre sauveur. Laissez-moi le mettre sur un autre niveau. La seule raison pour laquelle j'ai quelque chose à dire quand je viens ici, qui a quelque chose de véritable et de vivant attaché, n'est pas que j'ai acheté un livre de sermons à 1 $ et que j'ai préparé un message bien conçu. C'est parce que je l'ai vécu et je sais que la parole de Dieu marche et je sais que vous pouvez être délivrés de n'importe quoi. Je sais que je sais que je sais. Mais ce savoir n'était pas à bon marché. Vous m'entendez? Ce savoir n'est pas à bon marché. L'expérience est une chose absolument précieuse. Notre obéissance n'est pas un chant que nous chantons, quelques versets que nous citons, ou quand nous acquiesçons durant un sermon sur l'obéissance. Amen, Joyce, c'est une bonne parole sur l'obéissance. Ce n'est pas juste une idée. Mais ça requiert de prendre action, que ce soit convenable ou pas. Amen. Vous n'avez aucune idée de ce que ça a coûté à certaines personnes de venir vous servir, de pouvoir vous dire ce qu'ils peuvent vous dire et que ça ait assez d'onction pour que Dieu puisse l'utiliser.